On considère que souvent, pour savoir quelle est la position de nos membres dans l'espace, on doit contrôler ça visuellement. Mais si vous fermez les yeux, vous êtes tout à fait capable en fait, de placer votre bras gauche, par exemple, à la perpendiculaire de votre tronc sans le regarder. Donc on a des récepteurs ici musculaires et articulaires qui vont nous permettre tout simplement de ressentir cette position et ce déplacement des membres dans l'espace. Mais là-haut, les bras et les jambes ne pèsent plus rien. Les capteurs sensibles situés dans les muscles ne sont plus soumis à la gravité. Les maladresses des astronautes, qui laissent parfois s'échapper des objets précieux dans l'infini de l'espace, s'expliquent en partie par cette réponse inhabituelle de leurs membres. Dans cette expérience terrestre, la tâche demandée est simple. Toucher du doigt un point lumineux. Mais le cobaye, pourtant sain de corps et d'esprit, rate sa cible. En s'écartant de l'axe du corps, le bras subit une résistance invisible due à la rotation de la chaise. Mais comme pour les astronautes, le geste est perturbé par une force inattendue. À partir du moment où le geste est répété, on va avoir une adaptation et cette adaptation permettra de retrouver une gestuelle comparable à celle qu'on a sans perturbation. Le but des recherches de Lionel Bringout, c'est précisément d'accélérer cette gymnastique cérébrale. Habituer les futurs voyageurs martiens à basculer rapidement de la gravité à l'impesanteur et de l'impesanteur à la gravité.